اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans le septième leçon, on va parler des sujets suivants: les noms et les attributs du Coran, le mot Coran et Surah, qu'est-ce que ça veut dire Coran et qu'est-ce que ça veut dire Surah, que veut dire Ayah, parce que ce sont des mots qu'on utilise toujours, Coran, Surah, Ayah, et ensuite connaître les noms et les nombres des sourates, le nombre des versets coraniques. Ce sont des choses qu'on va apprendre dans la septième leçon. Cette leçon-là, ce n'est pas difficile, uniquement pour donner des renseignements au niveau du Coran. À propos des noms et des attributs du Coran, il y a plusieurs idées. Mais ce qui est sûr et tout le monde est d'accord, il y a quatre noms. C'est le Coran, Furqan, hein, Kitab et Dhikr. Coran, Furqan, Kitab et Dhikr. Ce sont quatre noms qui se sont en fait mentionnés même dans le Coran. Tout le monde est d'accord sur ça. À part ça, il y a une sorte de quoi? Divergence. C'est normal aussi, parce qu'ils ont tiré de quoi? De Coran, des mots. Ils ont dit c'est le nom, c'est l'attribut de Coran. Par exemple, Razi Abul Foto, il a donné 43 noms. Zarkashi Burhanuddin, il a mentionné 90 noms pour le Coran. Qadi Aziz, il a mentionné 55 noms. Et Tabarsi, il se contente de quoi? De 4 noms. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Coran, Furqan, Kitab et Dhikr. Mais l'essentiel, c'est que de ces faits, il y a 4 noms unanimement reconnus. Ça, c'est très important. Il faut souligner ça. Il y a quatre noms unanimement reconnus. C'est Coran, Furqan, Kitab et Dhikr. Ces quatre noms sont mentionnés même dans le Coran. Pour Coran, bel huwa Coranun majid. Voilà. Pour Furqan, wa tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا. Pour Kitab, وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الكتاب استدير القرآن. الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ce sont quatre mots qui sont utilisés pour le Coran. Le Coran lui-même a utilisé les quatre mots. Il y a un livre, peut-être vous pouvez le charger, le télécharger sur le net, il y a sur le net, il s'appelle Le Coran par lui-même. Ça c'est bien, je crois que 150 pages par là, c'est très bien. Ça vous explique les mots comme dhikr, comme kitab, comme Coran, tout ça. Mais Coran, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire Coran? Coran, c'est dérivé de mots qara'a ou bien qara'wa. Alors, ce mot arabe est dérivé de qara'a ou bien qara'wa.
Philologiquement, c'est un nom d'action, mastar. Vous savez ce que mastar? Mastar en arabe. Voilà. Par exemple, al-kitabatu, al-dhihabu, al-qawlu. Non, c'est pas singulier. Mastar, c'est la racine de verbe dans la littérature arabe. Par exemple, kataba, kataba, la racine c'est quoi? C'est kitaba, kataba. Kataba, c'est le verbe quoi? Passé, passé simple. Yaktubu, c'est un inaccompli, c'est-à-dire mudhari. Mais al-kitaba, c'est l'infinitif. C'est qu'on dit mastar. Alors, qara'a, hein, c'est un nom d'action qu'on appelle mastar en arabe, qui signifie lire ou récitation. Alors, il est utilisé dans le même sens dans le verset suivant. Fa'idha qara'nahu fattabi'. Hein? Qur'anahu, il faut corriger ça, s'il vous plaît. Fa'idha qara'nahu fattabi'. Regardez Al-Qiyamah, hein, 18e verset. Alors, ici, c'est-à-dire lire. Coran, hein? Coran est dérivé d'un mot qui signifie quoi? Lire. Alors, enfin, ce mot est devenu un nom propre pour le livre révélé au prophète. Vous voyez? Donc, littérairement, c'est-à-dire lire. Le Coran, c'est-à-dire lire. Mais en fin de compte, même dans le Coran, on a utilisé ce mot-là. Après aussi, il est devenu comme un nom propre pour le Coran, c'est-à-dire le livre qui a été révélé au Saint-Prophète. On l'a nommé quoi? On l'a nommé Coran. Voilà. Et sourate, à propos de sourate, vous voyez, sourate, la sourate est le nom donné au chapitre du Coran. Il y a combien de chapitres dans le Coran? 114. Et chaque chapitre, on l'appelle quoi? On l'appelle sourate. Voilà, on l'appelle sourate. Par contre, ce mot-là a été utilisé dans le même, dans le Coran aussi. Sourate, anzalnaha, wa faradnaha, wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Vous voyez? Le mot existe dans le Coran dans le même sens. On a utilisé dans le même sens. Coran, c'est-à-dire le livre qui est un chapitre excusez-moi. La sourate, c'est-à-dire un chapitre de Coran qui a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que veut dire en arabe sourate? Parce que normalement, parfois, il y a des mots qui ont deux, trois sens, deux, trois significations. Sens littéraire, sens figuré et sens, on peut dire, en tant que sens, en tant que terme technique, comment on dit ça? Il y a trois sens normalement. Sens littéraire, sens figuré et sens, quoi? On dit idiomatique ou bien, comme on dit, istilah, mustalah en arabe. Vous savez c'est quoi ça? Terme technique, voilà. Donc sens, on dit sens littéraire, sens technique et sens figuré. Alors sourate qu'on utilise à ce sens-là, est-ce que c'est un sens figuré, thermotechnique? Ou bien littéraire, c'est ça qu'on voit, on va voir inchallah. En arabe, le mot sourate signifie rangée ou clôture. Rangée ou clôture. Les sourates varient en longueur. Ils peuvent aller de 3 ayats jusqu'à 286 ayats. Hein? Au total, le livre
comporte 114 sourates. Pour ça, vous le connaissez, tout le monde connaît ça. Chaque musulman connaît, dans le Coran, il y a 114 sourates. Donc, ça, c'est une sourate clôture, c'est-à-dire les murs qui clôturent, c'est-à-dire un endroit ou bien un bâtiment. C'est clôture, sourate, sourate. صور أو صورة مثلا بيت يعني جدار جدران البيت c'est-à-dire صورة comme chaque chapitre c'est-à-dire chaque chapitre a été clôturé c'est-à-dire par un bismillah après recommencer par un autre bismillah on dit صورة ou bien chapitre ça sonne le sens littéraire de صورة c'est-à-dire clôture. Mais en fin de compte, il est devenu comme un terme technique qu'on utilise pour les chapitres de Coran. Mais il y a 114 sourates dans le Coran, c'est clair, tout à fait clair. Alors, mais à propos des noms de Coran, est-ce que vraiment les noms de Coran a été donné à l'époque de Rasulullah? Ou bien on a fait ça après le départ de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, il y a des gens qui le disent, même à l'époque de la sourate, on avait désigné quoi? Les noms des sourates. Parfois on dit non, c'était comme ça. Par exemple, sourate Nas. Parce qu'on utilise le mot Nas dans la sourate, on disait toujours sourate Al-Nas. Ou bien sourate Al-Kawthar. Comme on utilise le mot Kawthar, on tirait le nom de surat de ces versets-là. Surat Iqra, surat Alaq, on dit, parce que dans le surat Alaq, on a utilisé le mot Alaq, on dit surat Alaq. Parfois même, il y a des surats qui ont deux, trois noms. Ça aussi, ça existe. Par exemple, surat... surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, on dit surat Al-Fatiha, on dit surat Al-Hamd, on dit surat Al... Alors qu'il y a plusieurs noms, je crois qu'il y a... 8 ou bien 7 noms à peu près. De toute façon, ce sont des noms qu'on a donnés aux sourates. Même à l'époque de la sourate, on utilisait ça. Parce que dans, par exemple, sourat al-Baqara, parce que dans cette sourate-là, on a mentionné quoi? Le nom de Baqara, la vache, ou bien l'histoire de la vache dans cette sourate-là. C'est pour cela qu'on l'appelle, ou bien on a nommé quoi? On l'a dénommé surat al-Baqara. C'est qui qu'ils ont nommé surat? Pardon? C'est qui qu'ils ont nommé surat? Comme je vous ai dit, même à l'époque de Rasulullah, on utilisait comme ça. Par exemple, comme pendant 23 ans, par exemple, surat al-Muzammil. Comme ça commence par le mot Muzammil, on disait toujours surat al-Muzammil. Ou bien surat al-Mutathir, comme ça commence par le mot al-Mutathir, on disait surat al-Mutathir. Alors, tout le monde connaît c'est quoi ça, surat al-Mutathir. C'est quoi surat, par exemple, surat al-Adiyat, comme ça commence par le... Par le... Tous les sahabas, oui, tout le monde. C'est même voilà. Et je vais dire une chose, une phrase, après on va arrêter l'enregistrement, après on va discuter. Donc, voilà. Donc, il y a la plus longue sourate du Coran, c'est le surat al-Baqara, la vache, et le plus court, c'est surat al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka wal-abtar. Mais qu'est-ce que ça veut dire ayah? Ayah, un ayah arabe, en arabe on dit ayah, pluriel ayat. C'est-à-dire signe, c'est-à-dire miracle, c'est-à-dire commandement, est un verset dans une sourate de Coran. Lorsqu'on parle de ayah, c'est-à-dire un verset dans une sourate, on l'appelle ayah. Mais la signification de ayah, qu'est-ce que ça veut dire ayah? C'est-à-dire signe. Ayah, c'est-à-dire miracle. Ayah, c'est-à-dire quoi? Commandement. Hein? C'est ce terme aussi qui est utilisé par les chrétiens arabophones pour désigner les versets de la Bible. C'est-à-dire, si vous regardez
Al-Ahd al-Qadim ou Al-Ahd al-Jadid, Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est-à-dire, dans la version arabe, ils disent ayah pour une partie d'un chapitre. Ils disent quoi? Ils disent ayah. Ayah, c'est-à-dire, même, et même ils ont utilisé ayah pour une partie d'une, ou bien d'un chapitre de la Bible. C'est-à-dire, c'est un mot commun entre nous et le christianisme. Il utilise dans le même sens. Le dernier mot se dit, remarque, les noms des sourates et le découpage des versets sont faits par le prophète même. Si vous aviez des questions au niveau de ce, si vous aviez une question à propos de quoi? Des noms de sourates, c'est ça votre réponse. Les noms des sourates et le découpage des versets sont faits par le prophète même. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a fait tout ça. C'est-à-dire, par exemple, surat al-Muddathir, surat al-Muzzammil, surat al-Fatiha, surat al-Ikhlas. Hein? Voilà. Certains sourates possèdent plusieurs noms. Certains sourates possèdent plusieurs noms, comme surat al-Fatiha. On dit surat al-Fatiha, surat al-Hamd, ou bien surat Sab' al-Mathani. Par exemple, il y a plusieurs noms pour surat al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiyul